Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite capsule pour une petite explication sur le tarot, la sagesse des anges, qui est un magnifique tarot de Valentine Radlegg. On y retrouve la structure de base, n'est-ce pas, en 5 suites, et les deux sections principales qui sont appelées arcane mineur et arcane majeur, mais ça vous connaissez déjà. Alors, petite question, savez-vous ce que signifie le mot arcane? Eh bien, cela signifie mystère. On parle ici des moyens miraculeux et mystérieux par lesquels, l'univers apporte de la magie dans nos vies, n'est-ce pas? Et les arcanes majeurs forment à eux seuls une suite composée de 22 cartes, où certains appellent aussi des lames et qui se concentrent plutôt sur les événements majeurs de la vie. Et nous avons les arcanes mineurs qui se composent de 4 suites, comme dans le tarot ordinaire, n'est-ce pas? Et les arcanes mineurs ont tendance, à refléter les activités au quotidien de la vie. Traditionnellement, les suites des arcanes mineurs sont appelées bâton, coupe, épée et denier. Ici, Valentine a remplacé les anciens noms par les 4 éléments, c'est-à-dire le feu pour les bâtons, l'eau pour les coupes, l'air pour les épées et la terre pour les deniers. Et chaque suite est composée de 10 cartes numérotées, de l'as au 10 et de 4 cartes habillées qui sont évidemment les valets, cavaliers, dames et rois. Et chacune fait référence à une personne, une situation ou bien vous-même, n'est-ce pas? Chaque suite a des domaines particuliers. La suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Par contre, la suite d'eau est liée, elle, aux émotions et à l'intuition. La suite d'air, elle est pour sa part associée à l'intellect et elle peut également refléter nos inquiétudes et nos peurs, le mental ayant souvent un esprit tendance à se concentrer sur le négatif, n'est-ce pas? Certains d'entre vous vont se reconnaître. Et enfin, on a la suite de terre qui parle des aspects matériels de l'existence, comme l'état des finances ou les moyens de gagner sa vie et de subvenir aux besoins de la famille. La particularité de ce tarot est que chaque carte est associée à un archange qui apparaît ou non, n'est-ce pas, sur l'image. Et sur les arcanes mineurs apparaît un numéro qui représente l'arcane majeur du tarot. Voilà cette petite explication. Prenez soin de vous dans la douceur. À tout bientôt. Beau matin à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver. Pour cette nouvelle semaine, nous sommes lundi 17 avril 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un joli week-end. Alors, on continue avec la sagesse des anges, le tarot, la sagesse des anges de Radlegg Valentine. Et on terminera toujours par le petit oracle des anges gardiens. Avant de commencer, je me libère totalement de tout jugement, colère,
culpabilité et totalement du passé. Je mérite de vivre dans l'abondance. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé le 8 d'air, donc la série R, c'est tout ce qui est l'intellect, n'est-ce pas? Alors, le 8, c'est l'illusion d'être pris au piège, un manque de confiance en soi qui entraîne un sentiment d'impuissance, avoir peur de passer à l'action. Prenez votre vie en main dès maintenant. Pour certains d'entre vous, il n'y a aucune raison de rester dans une situation qui vous rend malheureux ou malheureuse. Vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de ne plus rester dans cette problématique qui ne vous rend pas heureux, heureuse. Alors vous avez peut-être l'impression d'être coincé. Eh bien, c'est une illusion. C'est vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. Si vous vous débarrassez de vos craintes et que vous cessez de vous concentrer sur les difficultés, eh bien, c'est à ce moment-là que les occasions de libération vont se révéler d'elles-mêmes, tant que vous êtes dans cette thématique de peur, de vous dire des pensées négatives, ça veut dire je suis coincée, je n'arrive pas à me débarrasser de, je n'arrive pas à prendre cette décision, je... Évidemment, vous récoltez vos pensées. Alors réduisez au silence les messages incessants de votre ego, n'est-ce pas ? Qui vous croit incapable hein, de changer votre vie, parce que c'est juste votre ego. Hein. C'est personne d'autre, hein. c'est rien d'autre que votre ego. Alors dites-vous que c'est faux tout ça. Hein. Dites-vous que vous êtes capable de changer avec de la confiance et de la détermination. Et pour peu que vous croyiez en vous-même, n'est-ce pas ? C'est important aussi, hein ? Vous pouvez bel et bien influer sur votre situation. En tous les cas, cette carte, elle vient vous dire que c'est le moment de reprendre les rênes de votre vie. Ayez confiance en vous, écoutez votre petite voix. Vous n'êtes pas coincé, c'est vous qui vous coincez. Vous avez peur, oui, vous avez peut-être peur de prendre cette décision parce que vous ne savez pas ce qu'il y a, ce que vous allez vivre par après. Mais c'est un mal pour un bien. Vous n'aurez peut-être pas la même vie que vous aviez, mais c'est un bien, c'est un mal pour un bien. Dites-vous cela. Ça sera salutaire pour vous de prendre la décision. Ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Hein. Soyez bien à l'aise hein, bien écouter le message de ce 8 d'air. Pour certains d'entre vous, bien, peut-être que vous vous sentez impuissant. Vous êtes dans une confusion. Et peut-être que vous voyez comme une victime. Et vous avez peur d'agir. Il est nécessaire, présentement, de retrouver votre pouvoir. Et tout ça parce que vous avez un manque de confiance en vous.
Alors demandez à ce bel archange Chamuel de vous aider à faire dès maintenant l'expérience de l'éveil. Demandez à ce bel archange Chamuel de vous aider dans la difficulté que vous traversez présentement. Demandez-lui vraiment de vous aider, de vous accompagner, de vous donner le courage. Il ne demande que ça, n'est-ce pas, ce bel archange, de vous aider. Mais tout ça dépend de votre volonté de prendre votre vie en main. Ça ne dépend que de ça. Waouh, on commence fort, n'est-ce pas, cette semaine? Alors, je termine avec le petit oracle des anges gardiens. Et j'ai pigé, intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Et écoutez votre petite voix intérieure. Bien voilà, une belle synchronicité avec le 8 d'eau d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain. Thank you.